gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Seigneur, je crois que pour toi toute la parole. Et pourquoi nous disons amen à ce que tu dis. Et nous vivons cela pour confirmer cet amen. Amen. Viens prendre de ce moment. C'est le nom de Jésus qu'on s'y peut demander. Amen. Amen. Nous allons commencer à lire Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que Dieu bénisse les dieux de sa parole. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement. Amen. Toutefois, faisons comme à Tirouette, soyez conduits par le Saint-Esprit. Amen. Si ça dérange celui qui est à côté de vous, ce n'est pas grave. Parce que dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, chacun s'agita à sa façon, ça dérange personne. Amen. Ici, on prêche. Mais là-bas, nous allons continuer à adorer. Amen. Mais en réalité, l'adoration ne se limite pas seulement à chanter. Mais c'est la vie que nous menons. Amen. Dans Jean 17, du verset 5 à 10. Jean 17, du verset 5 à 10. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Continuez à lire le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Amen. Non seulement qu'ils étaient à Dieu, Dieu les a confiés à Jésus, mais ils ont aussi fait une autre chose qui est très principale. Ils ont gardé la parole. Amen. Je vais vous poser, les disciples, là, ces gens qui ont gardé la parole, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. Mais comment pouvait-il garder la parole sans pourtant avoir reçu premièrement le Saint-Esprit? Nous allons y rentrer profondément. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais je donne toutes les Écritures pour que vous puissiez comprendre, avoir déjà l'image du sens que l'Esprit veut nous donner ce matin. Continuez à lire. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Disons maintenant le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Amen. Je suis glorifié en eux. Il y a un point, il n'y a pas une virgule. Je suis glorifié en eux. Donc Dieu, pour avoir une satisfaction complète de sa personne, il faut qu'il soit glorifié en vous. Amen. Amen. Disons le prophète. Donc Apocalypse, il est dit, celui qui lit, il est béni. Amen. Celui qui entend, il est béni. Amen. Parce que nous croyons que le prophète, c'est l'absolu de cet âge. Amen. Ne pouvons pas prêcher, faire des déclarations. Si ce que dit le prophète, c'est contraire à notre déclaration, l'inspiration vient du diable. Amen. Et vous êtes dans un droit légal de ne pas dire amen. Amen. Je dis dans un droit légal. Amen. Parce que si vous dites amen à la parole, c'est la vie de la parole qui descend en vous. Amen. Le prophète dit ceci de la prédication. Qui dites-vous que c'est? Au paragraphe 66, année 64. Remarquez bien. Remarquez bien. Combien peu nombreux étaient ceux qui ont reconnu qu'il était la parole ouinte de ce jour. Voyez-vous, Dieu, au commencement, comme il était infini, et qu'il connaissait toutes choses dès le commencement, et ces choses,
elles ne sont que la manifestation de ses attributs. Maintenant, je rentre dans le sujet pour attirer votre attention. Un attribut, vous avez un attribut, c'est une pensée. Vous pensez à quelque chose. Ensuite, vous prononcez la chose. Ensuite, vous en prenez possession. Lorsque Dieu, il a pensé à la lumière lors de la création. Ensuite, il a prononcé, il a dit que la lumière soit. Ensuite, il a pris possession. Je continue à lire, le prophète, il dit ici, c'est comme ça pour Dieu. Or, au départ, il a dit vous. Or, ce que Dieu avait commencé à faire, c'était pour vous montrer comment vous devez faire afin que vous puissiez avoir les mêmes résultats que lui. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Si vous donnez à un enfant une cape bleue, les dorés là, vous lui dites, tiens la cape bleue, il va prendre. Si vous ne montrez pas le fonctionnement et l'importance de cette cape, l'enfant va commencer à prendre la cape bleue pour tartiner le pain, pour couper le beurre, pour faire des choses. Amen. Puis, avec la cape bleue, il va vous dire, papa, achète-moi un bonbon. Parce que d'après sa connaissance, cela conditionne sa foi par rapport aux besoins qu'il a. Alors qu'il a besoin de plus grand. Mais parce que sa foi, il le conditionne par rapport à ce qu'il voit, il demande plus petit. Amen. C'est vrai. Mais lorsque vous allez expliquer que non, avec la cape bleue, tu peux tout avoir, tu peux même aller à la boulangerie, même si tu oublies le code, il y a des paiements aujourd'hui sans contact. Tu pars, tu poses, le boulanger va te donner. À ce moment, l'enfant ne pensera plus à avoir un bonbon, mais plus que les bonbons. Amen. Parce qu'il a pris conscience de ce qu'il possède. Amen. C'est pourquoi le message aujourd'hui ne transforme pas quelqu'un, mais vous ramène dans votre état d'origine. Amen. C'est la vérité. Amen. J'aime beaucoup parler des choses ordinaires. C'est parce que nous retournons à cette fois-là aussi. Amen. Je vais un peu aller un peu chez la même temps un peu plus rapidement. Le prophète dit ceci, dans question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 22. Il était autrement dit, Adam le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, le Dieu est sorti de Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, Logos qui était la parole, le prophète met en parenthèse, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était faite chair et habita parmi nous. Il ferme la parenthèse. Du Logos est sorti l'homme. Je vais essayer de vous donner une image. Le prophète dit, du Logos est sorti l'homme. Voici l'homme. Du Logos est sorti l'homme. Parce que lorsque vous lisez dans la Genèse, le prophète dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. C'était un homme esprit. Oui. C'était lui l'homme. Genèse 1. Et ensuite, Dieu a continué à créer. Et dans Genèse chapitre 2, 7, la Bible dit, Dieu ensuite forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà le corps. On dit que c'est la chair. De la terre. La poussière de la terre. Ici, c'est le corps. Aussi longtemps que Adam n'était pas rentré de la poussière de la terre, il ne pouvait pas avoir la communion avec tout ce que Dieu avait créé. En réalité, vous allez voir que lorsque le péché a été introduit, Dieu n'a jamais maudit Adam. Il a maudit la terre, d'où il a formé. Mais nous ne pouvons pas maudire Satan. Alléluia. Parce que sinon, il se maudissait lui-même. Amen. Alors, vous comprenez une chose, que même dans votre état avant le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vous maudire. Amen. Dieu ne peut pas vous condamner. Amen. C'est pourquoi lui-même, devant la prostituée, il a dit, moi qui suis-je pour te condamner. Il avait tous les droits. Pourquoi il ne pouvait pas les condamner? À cause de la sémence. Amen. Cette âme. Et ce que vous êtes,
ce n'est pas la chair que je vois. Amen. C'est Amen. Et la chair que vous êtes, c'est un voile. Amen. Je veux dire, on parle de Dieu voilé de la chair humaine. Amen. Pas seulement le prophète, mais vous aussi. C'est la parce que la montagne, pour être sainte, il fallait un Dieu saint. Amen. Là, vous comprenez maintenant, là, vous vous montrez par ce que vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le prophète dit ceci dans la prédication, et tu ne le sais pas, au paragraphe 123. Et à l'intérieur de ça, il y a un esprit. C'est ce que vous devenez quand vous naissez sur la terre et que le souffle de vie est soufflé en lui. C'est cet esprit a une nature mondaine. C'est vrai. On va la mettre avec une autre couleur. C'est cet esprit qui est ici. Elle a cinq sens. En réalité, quand on est souvent influencé par cet esprit. Car aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vient pas dans l'âme pour ramener cette vie à la manifestation, Amen. Pour soumettre cet esprit, ici, là, on est souvent influencé par le mal, par des esprits héréditaires, par des histoires traditionnelles. C'est la vérité. C'est pour ça qu'une personne, le prophète, il peut être loin du Saint-Esprit dans son esprit, mais être perdu parce que son âme n'est pas à l'origine de Dieu. Amen. C'est la vérité. Nous prêchons pour l'épouse. Amen. Pour leur dire que leur âme vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous avez cette soif pour venir écouter la parole. Amen. Vous ne pouvez pas avoir soif de Dieu et rester à la maison écouter la parole. Amen. Que quelqu'un se lève et dise le contraire à ma soif. Si vous avez soif de Dieu, vous viendrez dans sa présence. Amen. Israël devait aller dans le temple pour adorer. Amen. Mais il y a aussi un autre vers. Le temple aussi pour adorer, c'est vous. Amen. Parce que nous sommes les tabernacles du Saint-Esprit. Amen. Continuez à lire. Je vais essayer d'aller plus vite. Je crois que nous commençons à comprendre. Amen. Dans la prédication, les choses qui sont à venir, au paragraphe 106. Mais je vais descendre un peu plus bas, près du temps. Et ce vieux corps est comme ça, vous. Il a porté l'image du céleste. Mmh. Le prophète même pointe. Ouais. L'image que je vois du frère Israël, du frère Marion, de la sœur de nos mamans, c'est juste une représentation de ce qu'est votre théophanie, de ce qu'est votre être spirituel. Pourquoi lorsque Moïse a voulu voir Dieu, il a vu le don d'un homme. Amen. Lorsque Abraham a vu Melchisédek, c'était un homme, un corps théophanique. Amen. Ça, ce n'est que le négatif. Nous verrons l'original. Continuez à lire. Pourtant, il n'est pas vous. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Amen. Là, comme je dit, vous, virgule, l'Esprit de Dieu. Le prophète manque virgule, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Amen. Vous, Amen. L'Esprit de Dieu, Amen. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète il dit vous, nous, il met la virgule. Il n'a pas mis le point pour commencer une nouvelle phrase. Amen. C'est comme une conjonction de coordination. On rajoute. Amen. Il dit l'Esprit de Dieu. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Là, il met le point. Amen. Il ferme la phrase. Continue à lire. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. Amen. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. Amen. Voyez-vous? Qui l'amène à s'aligner sur la parole. Amen. Votre intérieur, vous, virgule, vous-même, votre être. Amen. Le message que Frère Branham a prêché, c'est pour les prédestinés. Amen. Exactement. Et quand vous avez la foi, je peux dire idiotement, en croyant bêtement, Dieu accompagne aussi au nord cette foi. Amen. Le prophète dit encore ceci de la statue d'un homme parfait, au paragraphe 65. Qu'est-ce Dieu condensant vers sa création, Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. Amen.
Dieu essaie d'obtenir de vous le pourquoi il vous a créé. Amen. Amen. Je vais encore lire le prophète. Le prophète dit ceci dans le sceau de Pâques, au paragraphe 201. Plus tard est venu un homme du nom de Abraham. Parce que nous parlons là-dedans. Là, nous rentrons dans Abraham. Plus tard est venu un homme du nom de Abraham. L'église qui croit, qui continuait à avancer. Abraham, eh bien, lui aussi, il avait le potentiel de Dieu, virgule, la vie éternelle. Comment Abraham, un homme qui n'est pas le Saint-Esprit, avait le potentiel de Dieu? Et si nous prenons la définition du potentiel, le dictionnaire dit ceci. Potentiel, ça veut dire force, ressource dont on dispose, virgule, une capacité. Donc, Abraham, parce que le Saint-Esprit a commencé à descendre dans la Pentecôte. Mais ayant le potentiel de Dieu, il disposait des qualités et des ressources de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice, il est venu avec Isaac. Isaac lui dit, Père, nous avons le bois, mais où est l'Holocauste? Mais Abraham savait que son fils était l'Holocauste. Mais il se permet quand même de dire que Dieu lui-même souffrira un Holocauste. Amen. Il y a un paradoxe. Donc Abraham a dit à Isaac. Quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il n'y avait pas de sacrifice, c'était son fils. Amen. Mais il dit à son fils, Dieu lui-même se prouvera un Holocauste. Amen. La parole parlée. Amen. Et pourquoi quand on parle de la foi, Amen. On revient toujours à Abraham. Pourquoi Abraham Dieu a continué cela? Parce qu'il avait le potentiel de Dieu. Dieu en nous. Amen.
Dieu en nous maintenant. Amen. Alors que nous avons dit au départ que cette âme-là, c'est une partie de Dieu. Continuons encore à lire. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. Alléluia. L'intermédiaire de Dieu. Amen. Dieu habite en vous. Amen. Pour s'adorer lui-même. Amen. Donc, il faut le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Amen. Amen. Exactement. Le Saint-Esprit s'adore lui-même. Amen. On va dire, que Dieu me pardonne de dire, il est un peu comme égocentré. Tout doit tourner autour de lui. Et quand vous ramenez tout autour de lui, vous allez voir sa gloire. Amen. Amen. Parce que plus vous chérissez le Saint-Esprit, verrez ce qu'il va faire dans votre vie. Dans la présentation, pourquoi le Saint-Esprit, le prophète, dit ceci au paragraphe 23, excusez-moi, 27. Et tout aussi sûr que ce soit vous êtes affamé du Saint-Esprit, c'est quelque chose en vous qui vous attire. Puisqu'un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir. Amen. Amen. Le prophète a dit doit. Amen. Doit, c'est une obligation en français. Amen. C'est un dessein. Donc Dieu, il a beaucoup d'obligations envers vous. Le prophète dit encore ceci, dans la prédication qui a fait réponse. Année 59, au paragraphe 123. Avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu. Il se présentait, excusez-moi, avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans les pensées de Dieu. Il se proposait de vous donner le Saint-Esprit. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez demandé le Saint-Esprit à ce moment-là? Mais lui, il se proposait de vous. Amen. Vous voyez que cette histoire que Dieu se livre à vous, c'est même avant votre conception physique sur la terre. Parce que vous avez été une pensée. Et l'image que vous êtes dans sa pensée, cela doit se faire chair sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a été au ciel. Amen. Au ciel, dans la pensée de Dieu. Amen. Il y a aussi une condition de rentrer. J'essaie de faire un peu vite pour que nous puissions rentrer là. Excusez-moi. Il se proposait de vous donner le Saint-Esprit parce qu'il savait que vous alliez vouloir le recevoir. Amen. 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 Et il vous a lui-même choisi parce que vous aviez ce désir. Il vous a choisi en Christ avant que ni vous, ni Jésus, ni aucun de vous ne soit sur la terre. C'est pour vous dire que l'histoire de la rédemption, ce n'est pas sur la terre, c'est bien avant la fondation. Amen. Quand vous croyez à ça, vous supérez à ça, selon la loi de la profondeur, à cause de cette soif, il y a une profondeur qui doit répondre. Amen. Je vous pose une question. L'enfant qui naît, ce n'est pas la même vie que la même vie dans la mer. Mais quand il naît, quelle est cette chose qui lui indique qu'en aspirant sur cette chose, il va avoir du lait? J'apporte de la profondeur. Alléluia. Amen. Alors, cette même profondeur qui est en vous, amen, vous aspirez à la parole, c'est parce que la parole en vous doit se nourrir de la parole. Amen. Afin de devenir la parole avec Dieu. Amen. Parce que nous parlons de temps de la parole faite et chère. Et si nous touchons les fils adoptés, vous allez voir que tout ce que vous dites, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Et Dieu va dire amen. Amen. Un peu comme Adam. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Amen. Ni aucun de vous ne soit sur la terre. Et il envoyait Jésus mourir afin de préparer le moyen d'envoyer le Saint-Esprit. Amen. Afin de vous amener à lui. Vous savez pourquoi je le dis? Ici le prophète dit, afin de préparer le moyen d'envoyer le Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés sans le Saint-Esprit. Malgré leur vie de souillure, comme on peut parler, la Bible dit que David était un adultère. Oui. Mais dans son âme, il n'y était pas parce que l'inspiration qui devait enlever cette chose-là n'était pas encore venue. Le prophète dit de la prédication, on est sur son don d'aventure. Dieu vous aussi, il dit que non. Le canal par lequel Dieu devait agir, ce n'était pas par le corps ni par l'esprit, mais lui, c'était l'âme qui l'avait travaillé.
Parce que l'âme, c'est le domaine de Dieu, c'est là-bas qu'est la prédestination. Amen. Les hommes peuvent toucher à votre corps, toucher à votre esprit, par des langages, vous frustrer, ça va toucher votre conscience, votre imagination, vous êtes pour ça imaginer des choses. Changer vos sentiments, toucher l'affection. Mais votre âme, lui, c'est Dieu. Amen. Alors, si vous saisissez le domaine de l'âme, vous allez voir qu'à cause de cette vie qui est là, vous soumettez l'esprit, le corps, vous voulez la gloire de Dieu. Amen. C'est là qu'on te dit que 1 ou 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il faut d'abord que le 1 là, il reçoive le Saint-Esprit. Amen. À ce moment-là, il soumet les deux autres pour eux la gloire de Dieu. Amen. Mais le problème ici, c'est qu'on se pose des questions si beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose, si vous avez constamment soif du Saint-Esprit, même sans prier, vous allez le recevoir. Amen. Amen. Parce que rien que par ce désir, c'est comme une prière. Amen. Dieu a dit à Daniel, je t'ai exaucé avant que tu ne pries, parce que c'est ce qu'il y a fait dans ton cœur. Amen. Le prophète dit ceci, de la prédication de la demeure future. La demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Au paragraphe 56. Et il nous a commissionné pour que nous vivions cette partie de la parole pour nos âges. Quand on commissionne quelqu'un, on lui donne tous les moyens nécessaires. Amen. Vous êtes des ambassadeurs, pourquoi? Parce que vous avez autant d'autorité que le président, même si vous êtes dans notre pays. Amen. Vous comprenez que là où vous êtes là, même quand on fait un cauchemar, tu te réveilles. Mais ange, tu étais où? Parce que l'ange de l'éternel tombe autour de ceux qui le craignent. Mais l'ange est un serviteur. Amen. Donc vous êtes au service des serviteurs. Mais il y a un problème. Non. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et posséder les choses. Amen. Avoir l'attitude de Josué. Amen. Parce que Seigneur, tu as dit, nous nous croyons. Amen. Et avoir la foi de Marie, Seigneur, je suis ta servante, que cela me soit fait selon ta parole. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de décrets spéciaux. Et dans le Nouveau Testament, il y a eu la même chose. Mais ici, maintenant, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Parce que Paul était un prophète, il savait qu'il prophétisait en partie. Mais lorsque le parfum viendra, l'ouverture de toute la parole, le partiel disparaîtra. Or, nous sommes dans l'âge de la perfection. Amen. Dans l'âge du parfait. Alors, vous comprenez que le parfait qui est dans l'âme ne doit pas seulement rester dans l'âme. Il doit sortir du tabernacle et remplir tous les parvis. Que les gens vous voient et savent que vous êtes des chrétiens. Amen. Peu importe le métier que vous faites, vous avez le droit par la foi de décider du montant de votre salaire. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. C'est la vérité. L'évangile marche avec l'argent. Amen. Mais maintenant, nous avons besoin de davantage du surnaturel pour économiser l'argent pour acheter les médicaments. Amen. Je vous dis la vérité. Frère, tu imposes les mains pour chasser les démons. Mais tu économises déjà 50 euros pour l'ordonnance, 20 euros pour aller voir le médecin. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Amen. Le prophète dit ceci, continue à lire. Et nous voyons la grande réforme de Luther dans cet âge-là, et de Wesley, et de la Pentecôte maintenant. Nous attendons la pierre de fête de la ville. Oh Dieu, nous connaissons l'âge et la promesse qui nous est donnée pour ce jour-ci. Amen. Comme cela doit être rétabli, la lumière du soir en fera mûrir le fruit. Et il arrivera qu'il y aura un jour qui ne pourra être ni jour ni nuit, qu'on puisse l'appeler. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Mais autant de soi, il aura de la lumière. Dans la prédication de Sceau de Pâques, le prophète dit ceci au paragraphe 316. En ce matin de la résurrection, constatez cette vérité confirmée, tirée de la parole, Seigneur, et que j'ai déclaré dans la présence de Dieu. Il est le juge. Et nous en sommes témoins.
qu'il nous a rachetés. Et par la grâce de Dieu, cette puissance de résurrection se trouve en nous. Amen. Et nos amis sont malades, ceux à qui nous imposons les mains. Le prophète dit que la puissance de la résurrection est en nous. Amen. Même ceux qui venaient là pour la ligne de prière pour qu'on impose les mains, la puissance de résurrection aussi est en nous. Amen. Continuons encore à lire le prophète. Dans la prédication de la foi, année 60, paragraphe 40, le prophète dit ceci. Et j'ai essayé d'une façon simple, enfantine, chaque mot que le prophète dit a une place, oui, et a un rôle. Ça vous montre un peu la gravité de la compréhension lorsque quelqu'un ne comprend pas. J'ai essayé d'une façon simple, enfantine, de le présenter aux gens pour qu'ils puissent comprendre et savoir que la puissance de Dieu se trouve en eux. Amen. S'ils pouvaient seulement avoir leur foi et suivre les ordres de Dieu. Amen. Vous avez la foi, vous devez suivre les ordres de Dieu. Si vous avez la foi, vous dites que vous croyez, vous ne suivez pas les ordres de Dieu. Excusez-moi, ça peut donner comme une certaine forme de quelqu'un qui est courageux. Ou on peut dire aussi quelqu'un, excusez-moi un peu du terme, quelqu'un qui est un peu culotté. Parce que la foi que Dieu nous donne, c'est cette semence-là. Parce qu'il est dit que l'âme n'a qu'un seul sens, ou la foi ou l'incrédulité. Et cette foi-là, c'est ce qui vous emmène à vous soumettre à la parole. Amen. Parce qu'elle n'obéit qu'à la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Ça passe d'abord par le corps, puis ça ramène la vie qui est là. Amen. Mais en réalité, entre l'âme et l'esprit, ceux qui connaissent l'existence, il y a une diode qui s'appelle le thyristor. Il a une nature particulière. Pourquoi? Elle ne fait passer que le courant positif. Amen. Et la parole, c'est quelque chose qui est positif. Amen. C'est pourquoi Pierre, la femme au puits, lorsqu'ils ont entendu ces mots-là, la femme au puits pouvait dire, il nous avait été dit. Alléluia. Que lorsque le Messie viendra, il nous dira ses choses. Amen. Et cela a transformé sa vie. Amen. Même quand le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur elle, la vie de sourire était partie. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, les sanctifiés prêchaient. C'est parce qu'ils n'avaient pas la vérité. Amen. Quand vous écoutez la vérité, cette chose que Dieu a installée, le filtre, vous la recevez et cela révèle la vie de Christ qui est en vous. Amen. Vous n'allez même pas faire des efforts que les choses que la parole condamne va tomber. C'est ça. La vérité. Amen. On n'aura même pas besoin de vous dire de venir à l'église. Vous risquez même de demander les clés pour ouvrir l'église et venir prier. Et le prophète dit ceci dans Crois-tu cela au paragraphe 112. L'Église a toujours une certaine puissance. Amen. Dieu n'a jamais retiré sa puissance de l'Église. Amen. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir en conséquence. Amen. Quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas avoir la peur. Amen. Quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas avoir la peur. Amen. Amen. Abraham avait la foi, il a eu peur de Dieu son fils. Il n'a pas eu peur de Dieu son fils. Mais il a quand même dit que Dieu se souffrait lui-même sa vie. Amen. Mais il a quand même voulu Dieu son fils. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Voyons seulement et voyons les réalités de ce que Dieu a dit. Amen. Pourquoi je me contente juste de lire le prophète? Parce que eux là-bas de leur côté, ils ont dit, nous nous reposons sur ce que toi tu as dit. Amen. Aucun ministre ne peut prêcher des choses pour dire que c'est sa révélation. Non. Mmh. Sa révélation qu'il a reçue va s'appuyer à ce que le prophète a dit. Amen. 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 Et en disant ce que le prophète a dit, l'ange agréé et le surnaturel se manifestent. C'est la vérité. Amen. Il n'est pas question de mettre nos pensées, nos idées, non, mais de dire ce que lui l'a dit. Amen. Et vous, avec votre foi, le surnaturel se ramène. Amen. Amen. Ne vous attendez jamais à avoir des agitations comme ça. Non. Les agitations aussi, c'est bien. L'onction, ce n'est pas seulement s'agiter, courir. Non, ce n'est pas seulement ça l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand il vient, vous saisissez la pensée
pas du prédicateur, mais de celui qui était l'auteur de la parole. Amen. Parce que l'onction véritable du Saint-Esprit vous conduira toujours à la parole. Amen. 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 Même votre foi, quand elle est haute par la véritable onction du Saint-Esprit, elle la pose toujours sur la parole. Amen. Et cela sort ce que vous êtes. Le bâton de Aaron de la prudence de Dieu avait-il la foi pour croire que c'était un amandier? Mais à cause de la prudence de Dieu, alléluia, sa nature est sortie. Amen. Alors vous comprenez l'importance d'être constamment dans la prudence de Dieu. Amen. Cela soumet votre âme à ressortir. Amen. Amen. Et quand vous ressortez votre frère, vous, amen, n'est pas le juste en conduit. Mais le juste dont il est question, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous êtes conduit comme ça, vous êtes un homme infaillible. Amen. Amen. Parce que la volonté de Dieu est toujours parfaite à ses yeux. Amen. Ça fait de vous un peuple infaillible. Amen. Même les échecs, vous êtes infaillibles. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Les hommes ont vu l'échec parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu se manifeste, donc si le frère était parti comme ça, il avait reçu, n'allez pas voir ça. C'est la ça, c'est plus grand que ça. Amen. Attendez-vous à Dieu. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. C'est vrai. Amen. Devons prêcher ce que nous vivons. Amen. Si nous ne vivons pas à l'instant de tête, prions jusqu'à ce que nous n'avions pas prêché. C'est ça de quoi je parle. Amen. Attendez-vous à Dieu, vous verrez ce que Dieu ferait. Amen. Monsieur, madame de la maison, priez et la même foi comme Amram, le père de Moïse et Jochebed, constamment de la prière jusqu'à ce que l'ange les a visités. Mais Dieu doit faire la même chose. Amen. Amen. La Bible dit, le prophète lui-même il dit que dans cet âge, beaucoup de prophètes ont voulu vivre dans cet âge. Amen. C'est un âge glorieux. Amen. Dieu a permis des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Amen. C'est la vérité. Si Paul avait les sept sur les sept tonnerres, beaucoup des hôpitaux seront fermés. Et nous ici, on dit qu'on a quoi? Tout s'est arrêté dans le corps. Je récite, ramène la vie de Christ. Amen. Même dans vos maisons. Amen. Mettez juste la vie de prière de consécration. Amen. Écoutez la parole. Amen. Il est comme des moutons. Vous verrez que la vie de cette parole deviendra comme le cœur de la vie. Amen. Vous marcherez comme la parole. Amen. Vous parlerez comme la parole. Nous croyons que Dieu est infaillible. Amen. Et quand vous le prenez avec sa parole, amen, il devient faible. Amen. Alors il se doit d'agir. Quand les proches se prennent de la fournaise, ils ont dit non, on ne va pas adorer. Amen. Même si Dieu ne nous délivre pas, on n'adore pas. Amen. Il fallait le quatrième homme, le chiffre 4 pour la délivrance. Amen. Je vois un quatrième homme semblable à un fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Et ce même le gosse là, cette partie, elle vient se déverser en vous dans cette âme. Afin de la dire, réveille-toi. Amen. C'est la guerre pour le combat et pour la puissance par l'être. Amen. Et c'est ce qui la femme est Gédéon. Amen. Oh, Gédéon, puissant guerrier. Ah. Quand tu me dis puissant guerrier, j'ai encore combattu pour me dire puissant guerrier. Parce qu'il avait ce potentiel. Amen. Et réveille la vie de Gédéon qui est dans lui. Afin que la victoire qui était de la pensée de Dieu puisse devenir une réalité. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par enlever l'autel de Baal. Amen. Et l'autel de Baal, c'est tout ce qui est contraire à la parole que nous allons faire constamment. C'est la vérité. Quand l'autel de Baal est enlevé, l'autel de Dieu est rétabli. Amen. Comme avec Élie, le feu descend. Amen. Et la chose de tout. Amen. Même si tu es malade, amen, tu ne peux pas prier. Touche la Bible. Amen. Je dis touche la Bible. Amen. Le prophète dit Seigneur. Amen. C'est ta parole. Amen. Elle est écrite. Amen. Lorsque nous la touchons, nous te touchons. Amen. Ce genre de parole que le prophète me dit, moi je le prends littéralement. Amen. Si vous en prenez une partie, vous n'aurez pas tous les bénéfices, vous savez. Oh, dis donc, monsieur, en fait. J'appelle les gens,
dans les banques, quand vous aimez bien compliquer les gens comme déposer un dossier. En fait, vous voyez, avec Dieu, quand vous êtes la vie de la vie de Jacob, lui, Seigneur, tous les gens de Dieu, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais il avait cet amour pour toi. Et Pierre aussi, c'était la même chose. Il dit, Seigneur, mais moi, je veux que tu me donnes. Comme il a dit ici, il se proposait de vous donner le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez recevoir tous les enseignements que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas le moteur pour mettre cela en action, la mécanique et la dynamique, la chose ne va pas avancer. Or, vous pouvez avoir la mécanique. Mais il faut la dynamique. Or, si vous avez la dynamique, il faut la mécanique qui correspond à la nature de la dynamique. Amen. C'est la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. Une chambre à combustion du moteur diesel n'est pas la même pour un moteur d'essence. Vous savez que si vous mettez l'essence dans une voiture diesel, ça casse le moteur. Parce que la pression qu'il y a, la force qu'il y a, la voiture diesel ne supporte pas. Et la dynamique que Dieu nous donne, elle correspond à notre âme. C'est pourquoi nous répondons à la profondeur de son appel. Amen. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Je vais vous dire aussi une chose. Si au ciel il pouvait avoir la nuit, si au ciel il pouvait avoir la nuit, Dieu certainement il y aurait des incendies. Parce qu'il a abrégé le temps sur la terre. Afin que nous puissions être sauvés. Et il a équipé l'Église de tout ce que lui, il est. C'est pour ça que le diable a le droit de vous combattre, de vous faire des histoires. Mais vous avez reçu la commission de Dieu. Amen. Voilà ce qui fait la différence. Vous comprenez ce que vous êtes. Amen. Peu importe l'attitude du diable, vous prenez la Bible. Parce que pour avoir foi, vous devez connaître d'abord ce que dit la Bible. Amen. Ensuite, l'expérience conforme à la parole produit la foi. Elle est petite. Amen. Une autre expérience conforme à la parole fait grandir encore la foi. Amen. Jusqu'à vous atteindre la foi dans les mots. Mais en réalité, la foi dans les mots, vous avez toujours eu. Amen. Amen. Mais c'est normal, quand on plante un point mangué, on prend la graine, on plante, la personne va arroser. Mais il va voir l'arbre, il n'a pas encore poussé des fruits. Mais il pense déjà au monde qu'il va manger. Parce que ayant la tige, il possède déjà les mangues. Amen. Ayant 5 euros, je possède déjà la baguette de pain que je vais manger. Alors, en ayant les 5 euros, même sur la baguette, j'ai déjà autant de joie qu'avec la baguette. Oui. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vais vous dire, même quand le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en vous, mais en ayant déjà écouté la parole, ça produit autant de joie. Amen. Vous savez, la parole de Dieu seul. Il y a une citation que je voudrais lire. La parole de Dieu seul. Dieu c'est de la retrouver, vous allez comprendre. Le prophète dit ceci. De la prédication, et tu ne le crois pas. Excuse-moi. De la prédication, crois-tu sur le paragraphe 12. Je veux continuer à lire. L'Église a toujours une certaine puissance. Dieu n'a jamais retiré sa puissance de l'Église. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir en conséquence. Maintenant, suivez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous essayons de le rendre si compliqué parfois. Mais plus vous rendez l'évangile simple, plus vous aurez la réalité. Amen. Quand vous deviendrez vraiment simple avec cela, Dieu l'a dit, c'est réglé et c'est tout. Amen. Voyez-le simplement aller de la voie. Amen. Grande montagne qui est devant le monde à l'air. Tout mouvement de Dieu se fait par la foi. Amen. Si vous croyez en ce que vous êtes, cela va aussi se manifester. Le petit et grand de la base, vous n'avez pas reçu un bon enseignement. C'est pourquoi il doutait de ce qu'il était. Mais lorsqu'il a vu un être semblable, la mère Ève n'a jamais ramené de nouvelles plumes. Il n'a jamais ramené de nouvelles pattes, ni un nouveau bec. Mais il avait le potentiel de la mère Ève. C'est pourquoi lorsqu'il a écouté le cri du messager, le message de cet homme, il a juste donné un, deux. Amen. Il est parti. Amen. Là où vous m'avez vu hier, je ne suis plus.
Je suis maintenant là où il veut que moi je suis. Amen. Mettant sur la terre, je suis là où il veut que je suis. Mais après la terre, je serai là où il est. Amen. Parce qu'il a dit, Père, je prie que ce que tu m'as donné, je prie pour eux, afin que là où moi je suis, eux aussi puissent être. Amen. Quand vous prenez cette prière, cela déjà réveille en vous la foi dans les deux. Amen. J'ai prié afin que moi, là où moi je suis, eux aussi puissent être. Amen. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Amen. Je me glorifie en eux. Amen. Amen. Ça fait le message, là, quand vous venez ça des fois, vous lisez l'ensemble des sons, vous risquez de sauter par la fenêtre, faire des choses. Et vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le voisin, il dérange. Quand c'est pour ça, plus pour eux. Le temps que l'ancien va les soumettre à dire amen à votre prière. Amen. On est plus honnête, c'est de quoi je parle. Frère, nous devons faire des choses là où notre pensée, Dieu le prenne à la lettre. Amen. Parce que nous prions un Dieu vivant. Amen. Si nous prions devant la bouche et les oreilles, c'est parce qu'il fut le premier être à la voix. Alors, nous, pour nous rassurer que Dieu est dans notre prière, c'est qu'on doit la manifester, c'est pas la demande. Pas moins que c'est le contraire qui nous parle aussi, pour nous rassurer. Parce que vous savez, il y a des choses que je ne comprenais pas. Maintenant aussi, moi, je comprends. Lorsqu'il y a un dialogue, une communication, pourquoi tu n'as pas fait ça? Quand vous expliquez, cela rassure donc plus. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Seigneur, je n'ai pas compris, mais je te rends gloire. Amen. Amen. Pour ce que tu fais. Amen. Et ensuite, on voit la double portion que Job avait reçue. Amen. Or, ce qu'il avait, selon en réalité, ne satisfaisait pas Dieu. Mais il fallait une épreuve afin que cela puisse faire grandir sa fidélité et son humilité. Amen. Amen. Oui. Amen. Quand vous avez la question, vous n'êtes pas un, vous savez pas vous répondre de demander pardon. Non. Surtout beaucoup de prédicateurs. Vous savez de quoi je parle. Amen. Si vous voulez la manifestation surnaturelle, soyez humble. C'est la vérité. N'est pas humble comme les hommes, mais humble selon la parole. Amen. Quand on dit l'humilité, c'est face à la parole. Amen. C'est la vérité. Amen. Le prophète dit ici, parce que nous avons lu un peu plus haut, nous avons dit, s'ils peuvent seulement avoir leur foi et suivre les ordres de Dieu. Maintenant, les ordres de Dieu. Dans la prédication Hébreux chapitre 6, 3, je vais bientôt terminer. Au paragraphe 558, le prophète dit, je veux que vous puissiez m'écouter très attentivement. Amen. C'est votre foi. Et votre foi. C'est votre foi, point, et votre foi, virgule, confessée par vos lèvres, manifeste quelque chose que les gens qui peuvent entendre. Manifeste quelque chose pour les gens qui peuvent entendre. Mais votre vie, elle, est ouverte devant tous. Je m'arrête là. Vous pouvez confesser, certaines personnes vont entendre. Mais la vie que vous avez menée, même ceux qui n'ont pas entendu ce que vous avez dit, ils vont voir. Oui. Continuez à lire. Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci et de faire ceci, ça ne marchera jamais. Amen. Un arbre ne peut pas faire semblant de porter des fruits. Mmh. Elle ne peut pas imiter les fruits. Mais elle produit. Parce que c'est quelque chose qui est en lui. Amen. Le chrétien produit la vie de Christ. Amen. Parce que Christ est en lui. Amen. Et Christ est sa nature. Mm. Et il est Christ. Amen. Parce que dans Jean, il est dit, Père, toi et moi nous sommes un. Que eux et moi nous puissions être un comme moi et toi nous sommes un. Amen. Je serai en vous et vous serez en moi. Amen. Vous êtes dans la parole. La parole aussi est en vous. Amen. Si nous prenons un gobelet, on le jette dans la mer, on ne saura pas vraiment ce qui contient l'autre. Mais on sait que le gobelet ne peut pas contenir toute la mer. Continuez à lire.
Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci et de faire ceci, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit en vous. Amen. Parce que votre nature, c'est ce que vous êtes dans votre âme. Amen. C'est le prophète dit, il faut que ce soit en vous. Les brebis ne font pas de poils parce que cela n'est pas en eux. Continuez à lire. Il faut que ce soit en vous, humain point. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Amen. Amen. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Amen. Il continue. Même point, il dit, votre foi personnelle au Christ ressuscité, en tant que votre sauveur, et il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin. Amen. Virgule. Je voudrais vous arrêter là. Dieu, il est à la droite de Dieu là-bas, agissant à votre place. Vous, si vous êtes à cette place-là, toutes les erreurs que vous allez faire ici, si vous êtes à cette place-là, vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que vous êtes à cette place. Vous voyez que quand vous lisez dans la brèche, le prophète dit dans la brèche, le parent rédempteur, il vient, il demande, il intercède pour eux, ce dont il a racheté, en disant, donne-leur ce don pour toi, Jésus. Donne-leur ce don pour toi, moi, je suis moi. Amen. Alors, vous comprenez la puissance que Dieu a, qu'il a manifesté sur la terre et dans l'église. Amen. Mais pour que cela puisse se mettre en action, vous devez d'abord prendre conscience de ce que vous êtes. Amen. Amen. Pour que son règne puisse se faire chair en vous. Amen. Amen. Et quand le règne de Dieu se fait chair en vous, tous les attributs de sa personne se manifestent en vous. Vous pouvez même vous imposer les mains. Amen. Amen. Il faut que ce soit en vous. C'est ça le fond de toute l'histoire. Votre foi personnelle au Christ en tant que votre sauveur. Et il est à la fois à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin. Amen. Pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas. Mais frère, si vous êtes à sa place comme témoin ici-bas, quelles sont les œuvres de Christ? Le Fils ne peut que faire ce que lui montre le Père. C'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la manifestation des fils de Jésus-Christ. Alors, des fils ne peuvent que faire ce que leur montre le Père. Amen. Ce que leur a d'abord montré le Père, premièrement, c'est ce qui est là. Amen. Si on parle du titre de propriété incontestable, vous allez voir que même quand on est le titre de propriété, il vous faut la foi pour mettre cela en action. Amen. Alors, vous comprenez que sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Continuez à lire. Agissons à votre droite ce matin pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas. Un témoin doit agir à la place de quelqu'un. Oui. Il vous représente comme témoin. Et comme votre vie reflète ici ce que votre témoignage est en Christ. Je ne sais pas si vous avez saisi. Et comme votre vie reflète ici ce que votre témoignage est en Christ. Vous savez, ce que nous sommes en Christ, c'est ce qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Quand il le dit, cela influence votre vie ici-bas sur la terre. Alors vous comprenez que ce que vous êtes en Christ, ça doit se manifester ici-bas sur la terre. Amen. Tous vos désirs, tous vos pensées sont fixés vers lui. Amen. En réalité, ce que vous êtes Dieu. Amen. 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 Parce que lui, il a pris votre place. Amen. Ça fait de vous que vous prenez sa place. Vous êtes Dieu. Amen. Si aujourd'hui, je prends un exemple, on vous dit, bon, monsieur Macron, Macron, il ne peut pas faire son travail actuellement, mais Macron, il a mis un mot, il a mis le cachet, ou n'importe quel président, vous prenez sa place. Et vous avez vu la capacité et l'opportunité, tous les privilèges qu'un président peut avoir, il vous a montré. Alors vous imaginez, en vous montrant l'imagination que cela peut créer en vous pour faire plus que lui. C'est pour ça qu'il a dit que les œuvres que je fais, vous en ferez davantage. Amen. Or, Christ nous a montré, en nous disant que nous en ferons davantage. Vous voyez, c'est le but de l'évangile qui sort, c'est que vous puissiez comprendre, recevoir. Amen. Et devenir ce que vous avez reçu. Amen. Je veux aussi me rassurer que vous saisissez. Amen. Continuez à lire. Un témoin doit agir à la place de quelqu'un. Il vous représente comme témoin. Et comme votre vie reflète ici ce que
votre témoignage est en Christ, cela se reflète là-bas. Et cela se reflète ici. Point. Lui, il est là-haut. Et ce qu'il est pour vous se reflète aux deux endroits, là-bas et ici. Je vais encore refaire la lecture. Écoutez bien. Lui, en parlant de Christ, il est là-haut. Et ce qu'il est pour vous se reflète aux deux endroits. Donc, au ciel et sur la terre. Là-bas et ici. C'est ça que le prophète dit. Tout à l'heure, corps qui nous attend là-haut. Celui-ci étant dans la présence de Dieu constamment, dans le sens de votre vie céleste. Amen. Et le Saint-Esprit vient brûler le cordon militaire céleste et terrestre. Amen. 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 Alors la vie qui a dans cette théophanie de Christ, elle s'écrit sur la terre. Amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un point, je le retire, il vient se reposer, vous allez vivre. Même si vous faites un accident, je ne sais pas comment vous étiez dans une fusée, la fusée est tombée, bah, par terre. Quand je vous sors de la fusée, vous allez vous retrouver là, assis. Ne mettons pas de limites dans ce que je veux. Amen. Si vous demandez à ces enfants-là, bon, aujourd'hui, devant n'importe quoi, j'ai eu beaucoup d'argent, ne dites pas le montant. Tu veux quoi? Il va vous demander même quelque chose que vous ne connaissez pas l'utilité. Parce que vous lui avez conditionné à recevoir quelque chose au-delà de ce qu'il peut espérer. Et Dieu nous conditionne pour qu'on puisse recevoir ce que lui il est. Amen. Et être comme lui il est. Amen. Continue à lire. Lui, il est ici en haut. Et ce qu'il est pour vous se reflète aux deux endroits, là-bas et ici. Donc, vous êtes. C'est par votre foi que vous êtes sauvés. Et par elle seule. Alors, les sensations, les émotions, les sentiments, n'importe quoi, ça n'a absolument aucune place là-dedans. Oui. Voilà. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Oui. Mais nous avons cru que nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Oui. Vous croyez qu'on fait l'école, vous ne pouvez pas croire que vous serez sauvés. Mais nous croyons que nous sommes déjà sauvés. Amen. Parce que quand vous dites que vous êtes, vous serez sauvés, c'est comme si l'œuvre de la rédemption qui avait été faite avant la fondation du monde, comme deux jours, il a dit à Jean, où étais-tu lorsque les hommes m'ont chanté? Vous voyez que dans la seconde, c'est pas le prophète, il répond au point de paragraphe, il dit, c'est certainement à ce moment-là que l'agneau avait été volé avant la fondation du monde. C'est pourquoi les étoiles chantaient le Seigneur de leur salut en Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez que quand vous êtes ici, vous croyez que vous serez sauvés. Mais frère, si le moment a lieu, vous serez sauvés quand? Si Dieu veut vous sauver, vous avez toujours dit. C'est comme quelqu'un vient vous livrer un colis. Vous venez là. C'est bien vous, monsieur Jacques, oui, il y a un colis recommandé. Ici, c'est recommandé avec la pièce d'identité. On ne peut pas prendre le salut de quelqu'un d'autre. Amen. C'est impossible. Parce que dans l'économie de Dieu, chaque personne a sa place. Vous allez voir le colis. Oui, oui, c'est moi. Oh non, revenez demain, j'ai des trucs à faire. Mais frère, tu peux prendre ton colis, tu l'ouvres à la maison. Et c'est l'attitude de beaucoup de gens. Ils remettent souvent les choses à Dieu. Prenons la parole, appliquons-la, et vous verrez Dieu agir. Amen. Même qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais à cause du reflet de Dieu qui est en vous, ils vont vous ressembler. Et la première fois qu'un croyant, pour devenir même un croyant plus tard, rencontre Dieu, c'est Dieu fait chez vous. C'est là-bas qu'il a sa première expérience. Lui, là, il fait une façon, il fait les choses. Oui, moi je suis un chrétien, je crois comme ça de fois malin. Mais il a rencontré plus de fois malin. Mais c'est vous. Même quand il va aller prier, il va prier, il va prier. Mais là où il a rencontré, là, c'est le vrai qu'il y a sa première expérience. Où il accepte pour se conformer à la parole, où il refuse, il deviendra plus pire. Alors vous comprenez que ce que vous êtes, c'est ce que Dieu voulait. Amen. Peu importe les erreurs. Parce que le prophète dit qu'on a fait une erreur, c'est parce qu'on le corrige d'après la parole. Amen. Et le prophète peut dire qu'aussi longtemps que je vis sur la terre, je ferai des erreurs. Parce qu'il est corrigé. Mais l'incrédulité, on l'aide. Mais sauf que l'incrédulité, nous ne pouvons pas la voir. On ne peut pas la voir. Parce que le prophète dit que notre âme
étant des fils de Dieu, elle est immortelle. Amen. Je vais lire pour terminer. Le prophète dit ceci. Je vais essayer de retrouver la citation pour lire. Vous allez comprendre. Le prophète dit ceci. Je ne sais pas si je vais préparer, mais je donnerai à votre pasteur. Le prophète dit dans cette citation, un homme, un fils de Dieu, quoi qu'il soit déçu, il est presque égal à Dieu. Amen. Donc, imagine quand tu reçois le Saint-Esprit. Oh Seigneur. C'est quoi cela? Nous devons mettre beaucoup l'accent sur ça. Parce que c'est dans le Saint-Esprit que vous recevez toutes les promesses de cette personne. Amen. Et cela révèle ce que vous êtes. Amen. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit de votre âme, amen, vous avez maintenant la conscience de Dieu. Amen. Et si vous avez la conscience de Dieu, imaginez ce que vous pouvez faire. Amen. Le prophète dit ici, dans le statut d'un homme parfait, au paragraphe 346. Bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un haut clocher, vous voyez, mais tu m'as formé un corps. Amen. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Amen. Un agent vivant de Dieu. Amen. Dieu a des questions de vous. Dieu peut parler. Dieu peut voir. Oui. Après, vous pouvez dire amen, un agent. Parce qu'il y a des agents. Ce n'est pas l'article de Dieu. Mais il y a des, il dit un agent vivant de Dieu. Dieu marchant sur deux pieds, virgule, en vous. Amen. Gloire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Amen. Dieu marchant en nous, car vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Amen. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Amen. 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 Ne croyons pas les choses qui ne sont pas la parole. Mmh. Amen. Peu importe comment s'expliquer. Amen. Amen. C'est vrai. Le prophète dit, il n'a pas dit, il a cru, il a manifesté. Amen. Le messager est son message du sang. Or, il faut d'abord vivre, prêcher, et vivre encore. Les trois sont un. Amen. Amen. Chaque parole confessée est une séance. Alors vous voyez que nous devons davantage dire les bonnes choses. Amen. Que cela se manifeste. Amen. Si votre enfant ne comprend pas certaines choses à l'école, c'est parce que vous lui avez insulté. Et vous devez, vos parents, vous répondre pour ça. Amen. Il y a des choses qui arrivent à cause de ce corps, on dit. Parce qu'on n'est pas conscient de la puissance de ce corps, on est. Amen. Mais vous allez voir que des fois dans le mal, on a plus de foi que dans ce corps, on dit dans le bien. Si vous prenez conscience de votre personne, cela vous donnera l'orgueil face au péché. Je n'ai pas dit l'orgueil avantageux pour être comme Caïn, mais j'ai dit face au péché. Alors vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a un problème de foi et un problème du Saint-Esprit. Amen. Parce que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans la foi. Amen. Je n'ai pas la force de prier pour faire une prière, mais je vais prier pour tout le monde. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Si vous avez un baiser dans le cœur, croyez que vous l'avez déjà reçu. Nous croyons à un Dieu vivant. Amen. Il est vivant parce qu'il vit encore dans les hommes. Amen. Le monde ne le
ne voit pas, mais le monde le voit au travers de nous. Pendant que le frère va jouer quoi seulement, nous allons prier. Ensuite, je vais inviter mon frère Israël. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous remettons tes calomnies à toi. Nous avons écouté ta parole, ainsi que moi-même. Nous avons compris ce que nous sommes. Mais Seigneur, la révélation divine, c'est toi qui la donnes. Parce que lorsque tu donnes la révélation, tu ramènes la vie littérale de l'Écriture. Afin que celle-ci devienne dans l'homme un avec lui. C'est pourquoi, Seigneur, durant ta vie sur la terre, tu avais cru totalement à ce que les Écritures disaient de toi. Et ton prophète peut nous dire, ta vie sur la terre, c'est un type de ce que nous sommes. En étant dans les antitypes, nous croyons que cette même vie doit se refléter. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ. Que tu restaures la foi de tes enfants. Que tu rétablisses tout de leur vie au nom de Jésus-Christ. Que là où ils sont faibles, que tu prennes la place. Qu'ils deviennent forts en toi. Alléluia. Car nous savons que dans la chaîne, Seigneur, c'est l'élément le plus faible qui se brise. Mais toi, si tu prends la place du faible, rien ne te brisera. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite dans cette église, Seigneur, à venir oindre l'amour de chacun. Alléluia. À venir oindre la foi de chacun. Alléluia. À briser chaque esprit qui ne confesse pas ton nom. Qu'elle puisse grandir non seulement en puissance, mais aussi en nombre. Amen. Qu'elle puisse être comme nos chaînes, Père éternel. Amen. Afin que ceux qui ont soif de toi puissent trouver la paix et le refuge. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui connais la fin avant le commencement, je sais que la parole dit que toi tu es notre juge. Tu es aussi notre avocat. Mais je sais que tu es aussi notre témoin. Amen. Parce que tu connais la fin avant le commencement. Amen. Et dans notre Père aussi, tu as tracé tout afin que nous puissions retourner auprès de toi et que tout puisse comprendre conformément à ta parole. Amen. Et que l'on puisse voir ta gloire. Amen. Seigneur, si elle est malade, que tu puisses les guérir. Amen. Sinon, pas assez de foi. Seigneur, que tu prennes ma foi, la foi de leur berger, qu'ils puissent voir le surnaturel agir. Je sais que Seigneur, Sarah n'avait pas encore la foi pour recevoir Isaac, mais tu l'as conditionné, et cela a régénéré chacune de ses cellules. Ta parole te dit qu'elle a rajeuni, Seigneur, sans le sang versé à la croix. Et nous aujourd'hui, Père, que pouvons-nous dire? Tu es le même Dieu, tu peux faire encore de même aujourd'hui. Amen. Je crois que tu as brisé les soucis. Tu as montré à tes enfants ce matin que tout toi ce que tu es, eux ils le sont. Amen. Et tout ce que eux ils sont, toi tu l'es. Amen. C'est pourquoi tu as pris place à la croix afin qu'ils puissent devenir comme toi. Et donc toi, Père, ayant possédé toutes les portes, nous croyons ce matin que nous avons possédé toutes les portes. Amen. Amen. Satan, nous te disons au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu peux prévoir, notre Père a vu la fin avant le commencement. Amen. Il a créé l'issue. Et il nous a montré l'issue. Parce qu'il a dit dans sa parole, il nous montrera les choses à venir. Amen. Mais toi, Satan, je te dis, tu n'as pas le mystère de la préscience. Tu ne connais pas ce qui va arriver dans 2 minutes. Ni dans 1 seconde. C'est pourquoi Dieu a tout ouvert. Amen. Il a tout brisé. Amen. Il a tout confirmé. Afin que sa parole puisse encore s'accomplir. Amen. Si vous avez un désir ici tout de suite, vous voyez que Dieu l'a déjà accompli. Amen. Peu importe, même si c'est insensé, vous voyez qu'il a déjà accompli. Amen. Seigneur Dieu tout-puissant. Tu as dit que nous puissions venir au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Nous sommes venus en son nom. Et en cette assurance que nous avons prié en son nom,
Nous sommes venus en son nom. Tu es dans le devoir, dans l'obligation de l'exaucer. Amen. Seigneur, toutes les âmes qui sont dans cette ville, qui ont soif de toi, permettent qu'ils puissent rencontrer les paroles faites chères ici ce matin. Amen. Et dans d'autres églises qui prêchent ce message, purement, Seigneur. Exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Car je crois que Père, avant que nous puissions être ici, nous avons vu ta présence se déverser dans le départ jusqu'à maintenant. Que tu puisses nous oindre encore particulièrement. Garder ta conscience en nous. Afin que nous puissions toujours avoir la confiance et mater le diable sur tous tes forces. Nous te bénissons toujours.